I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonsoir tout le monde, Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. Alors, j'espère que ça va bien. Je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons un invité très spécial, un ancien lutteur professionnel, légende de la, la WWE, et actuel maire de Rawdon. J'ai nommé M. Raymond Rougeau. Comment allez-vous, M. Rougeau? Ça va très bien, et vous, messieurs? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup, M. Rougeau, d'avoir pris quelques minutes. On sait que vous êtes très occupé, surtout de ce temps-ci avec la mairie. Donc, c'est un gros projet pour vous. Non, ce n'est pas un problème. J'ai choisi de me présenter aux élections parce que j'avais la passion. Moi, ça fait déjà, je suis à mon sixième mandat en tant qu'élu consécutif. J'ai été conseiller municipal pendant 19 ans. Là-dessus, j'ai été 8 ans maire suppléant. Et puis, dans les élections, j'ai décidé de me présenter à la mairie. Et j'ai été élu maire. Fait que la passion, je savais dans quoi je m'embarquais. La passion est là. Et aujourd'hui, c'est tout savant midi, j'étais avec la MRC. Et puis, tout de suite après l'entrevue, j'ai encore des rendez-vous. Mais ça me garde occupé et ça me garde alerte comme ça. Super. Donc, rentrons vivement dans le sujet. Donc, on sait, M. Rougeau, que vous avez une carrière assez importante dans le monde de la lutte professionnelle. Et puis, vous venez d'une famille très connue, dans le fond, avec Jean, Jacques, votre père, Armand, votre frère Jacques Junior. Donc, enfin, on voulait savoir, M. Rougeau, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la lutte professionnelle? J'ai grandi là-dedans, car mon père luttait quand j'étais enfant, et puis je l'ai suivi beaucoup. Donc, quand j'étais rendu à l'école, les vacances d'été, là, je le suivais, puis j'allais le voir lutter dans les différents arénas à travers le Québec. À l'âge de 13 ans, mon père m'avait demandé si ça me tentait de devenir lutteur. Mais c'est sûr qu'à 13 ans, je regardais les gars, puis je me disais, ouais, mais je savais, genre, dans le teint de sa voix, la façon qu'il me l'a demandé, je savais que ça lui ferait plaisir. Puis quel enfant ne veut pas faire plaisir à son père? Alors, fait que j'ai dit, ah oui, j'aimerais ça, sans jamais croire que ça pourrait arriver, parce que moi, je me voyais comme petit gars de 13 ans, puis je voyais les hommes comme plus grands que nature. Mais mon père m'avait dit, si tu m'écoutes, puis tu t'entraînes, comme je te dis, à 16 ans, tu vas commencer à lutter. Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé, je m'entraînais 7 jours par semaine. Et puis, à l'âge de 16 ans et 3 mois, j'ai fait mon premier match professionnel. Wow! OK, fait que dans le fond, la meilleure que vous expliquez ça, M. Rougeau, c'est votre père qui vous a le plus influencé à devenir un lutteur professionnel. En fait, il m'a influencé à faire le pas de commencer à m'entraîner. Ah, OK. Parce qu'en étant plus jeune, c'est sûr que moi, j'étais ami avec Pierre Lefebvre, on s'est connus au primaire. Ouais. Et puis, on luttait dans le cours, on essayait d'imiter les prises qu'on voyait, puis les choses. Fait que l'attirance était là, l'attrait était là, mais de penser à 13 ans que je pourrais faire ça, c'était même pas une idée. C'est mon père qui m'a, on va dire, il était l'élément déclencheur pour dire, OK, on embarque sur un horaire, puis une façon de faire, puis tu vas atteindre ton objectif. Super. Vous avez parlé d'entraînement. En fait, ben, on se doute un petit peu de la réponse, mais qui vous a entraîné? Moi, ben, quand je commençais à m'entraîner, c'était pour me bâtir un physique, c'était chez nous. C'est mon père qui a commencé à m'entraîner. Alors, à 13 ans, c'est mon père. En fait, sur la musculature, c'était mon père. Pour la lutte, pour commencer à m'entraîner, pour faire des matchs de lutte et tout ça, c'est, vous le connaissez sûrement pas, mais Luigi Massera. Ça a été un lutteur dans les années 60-70.
Moi, j'ai commencé début 70, en fait, 1971. En fait, ça a fait 50 ans, il y a quelques jours. C'était le 3 mai 1971, mon premier match. Félicitations, M. Rougeau. Ça a fait 51 ans, il y a un couple de jours. Wow. Et puis, c'est Luigi Massera qui m'a entraîné pour le côté lutte. Après ça, ce que j'apprenais avec lui, là, je pratiquais avec mon père. J'ai pratiqué un peu avec Gino Brito aussi. Deepak Masan, Joe Leduc qui était venu à quelques reprises. Fait que, mais c'est Luigi Massera qui m'a entraîné pour l'aide. Mon père, c'était la musculature. Luigi Massera pour le côté lutte. Okay. Tout à l'heure, vous parliez que vous étiez bien ami avec Pierre Lefebvre, le regretté Mad Dog Lefebvre, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. On était au primaire ensemble. OK, oui, oui. Ouais, vous avez lutté, c'est écrit sur... Pardon? En quatrième année, on était dans la même classe. Ah, OK, OK. Fait qu'on avait, quoi, 10 ans et demi quand on s'est connus. Et puis, on était restés de très bons amis. Oui, c'est ça. On avait lu, moi et mon collègue Jonathan, sur Internet que... Vous avez lutté pour le promoteur Jim Barnett avec ce monsieur Lefebvre. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans ces territoires, dans ces nombreuses fédérations? Parce qu'il était propriétaire dans 3 fédérations, je crois. Oui, bien, Jim Barnett, lui, était... Dans le temps, la lutte, il y avait plusieurs territoires. Oui. Et puis, lui, il opérait le territoire de la Géorgie, l'État de la Géorgie. Okay. Et puis, mais il faisait partie de la NWA, la National Wrestling Alliance. Okay. Alors, moi, j'avais été approché par eux pour aller lutter à Atlanta. Au moment où j'étais approché la première fois, ça ne me tentait pas de m'expatrier. Un peu plus tard, les circonstances ont fait en sorte que j'ai changé d'avis, puis j'ai voulu y aller. Je l'ai appelé, j'ai demandé si l'offre tenait toujours, il m'a dit oui. Alors, je suis parti à Atlanta, moi, à l'automne 76. Je suis resté jusqu'à l'été 77. Je suis retourné à l'automne 77 avec Pierre Lefebvre. Parce que Pierre avait arrêté de lutter pendant quelques années. Et puis, en 76, ça lui manquait, puis il m'écrivait. Dans ce temps-là, on n'a pas de courriel, des textos. Oh non. Ouais. Il m'écrivait à Atlanta, puis il me demandait, « Penses-tu que tu pourrais me faire rentrer là-bas, là, tu sais, à l'automne et tout ça? » Fait que j'ai parlé avec le booker là-bas, puis à l'automne, il est descendu. On avait été en Allemagne, lui, puis moi, en octobre 77. En revenant de l'Allemagne, on est parti pour Atlanta. Et puis, il est venu les 2 prochaines années avec moi à Atlanta. Mais j'ai aimé ça. Ça m'a fait découvrir des grands lutteurs. Là-bas, j'ai rencontré Ric Flair, Dusty Rhodes, les frères Anderson, le Minnesota Wrecking Crew, Olive Jean Anderson, Tommy Rich, Thunderbolt Patterson, Mr. Wrestling 2, Mr. Wrestling 1, Dick Slater. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de lutteurs là-bas. Et ça m'a permis aussi de me faire connaître davantage dans un autre coin des États-Unis. Parce qu'avant ça, dans les années 73-74, j'ai lutté dans le nord-est des États-Unis. Je l'ai lutté dans le Michigan, Détroit, Cleveland, Cincinnati, Buffalo, Rochester, dans ce coin-là. Mais là, ça m'a permis de faire connaître mon nom plus au sud. Puis, avec la NWA, mais mon nom s'est fait connaître un peu plus grand à travers les États-Unis. Okay. C'est pas un secret pour personne. Vous avez été en équipe avec votre frère Jacques, dans le fond. Donc, les Fabulous Rougeau. Mais avant ça, il y a eu aussi toute l'ascension, lutte internationale, ces choses-là. Et puis, en fait, on voulait savoir, nommez-nous des équipes avec lesquelles vous et votre frère avez travaillé, où vous aviez une belle affinité? En fait, il y en a 3 qui ressortent plus que les autres. En fait, même, je dirais 4. Quand on était ici au Québec, il y avait Pierre Lefebvre, Madame Lefebvre et Frenchy Martin. Ça avait été une belle rivalité qu'on avait eue avec eux. Après ça, ici encore au Québec, il y avait avec les frères Garvin dans les 1985. Ouais. Il y avait eu, on se souvient, le massacre de Saint-Jean-Baptiste, puis avec les retours, on avait fait des records d'assistance à beaucoup de places à travers la province. Ça a été une rivalité qui a marqué la lutte au Québec. Et puis, il y avait une chimie naturelle, ça fonctionnait, ça cliquait. Tu sais, des fois, tu peux essayer tant que tu veux avec des personnes, ça ne marche pas. Eux, on ne se connaissait même pas, c'est arrivé, puis ça a mâché comme ça, puis ça a vraiment explosé. Ça, c'est une des grandes rivalités.
Il y a eu à la WWF, il y a eu avec la Hart Foundation, on a eu des belles rivalités, puis ça a duré assez longtemps. En fait, quand on a commencé, on a lutté contre eux, ils étaient des méchants, puis nous, on était des bons. Mais un an et demi plus tard, c'était l'inverse. C'est nous qui étaient rendus des méchants, puis eux étaient rendus des bons. Fait qu'on a eu deux séries de rivalités avec eux, mais on va dire les bons et les méchants ont changé de bord. Okay. Et puis, ouais, ça ne s'est pas fait traditionnellement, votre heel turn, si tu peux me permettre, parce que normalement, il y a un élément déclencheur qui fait en sorte que du jour au lendemain, ouf, vous êtes heel ou vous êtes face. Mais là, parlez-nous un petit peu de toute la transition aussi. En fait, c'était qu'aux États-Unis, on sait que les Américains sont très patriotiques. Et puis, il y avait de la misère à prendre, puis à prendre à cœur pour des Québécois, puis surtout qu'on parlait français. Fait qu'il y avait une partie de la population qui nous aimait, mais une partie qui ne pouvait pas s'en venir nous aimer parce qu'on était Québécois, puis on parlait français. Et là, c'est là qu'on était pris comme entre deux chaises, puis c'est ça la pire place à être. Alors là, l'idée était venue, mon frère et moi, on avait parlé, puis Vince a demandé de nous rencontrer, fait qu'il nous a fait voler à New York. On l'a rencontré, puis il nous a envoyé l'idée de devenir méchant. Puis on s'est regardé, Jacques, puis moi, on est parti à rire, parce que la semaine avant, on avait parlé. Et okay. Puis là, l'idée de faire une transition comme on a fait, ça a été de Vince. Parce que tant qu'à moi, ça aurait été, oui, comme on fait traditionnellement, il arrive quelque chose, on fait un coup, et puis tout à coup, on devient haï. Vince, lui, c'était, on va tellement mettre, tellement beurre épais comme on aime les Américains, on aime les États-Unis, avec nos petits drapeaux américains qu'on avait. Et puis, à force de leur dire, tellement qu'on les aime, le monde va dire, ils sont pleins de cas, eux autres, là. Ils essayent de nous bourrer, puis ils vont vous haïr, vous ne croirez pas ça. J'étais sceptique, puis il dit, regarde, je faisais confiance parce que Vince, pour moi, c'est un génie dans le monde de la lutte. Fait que on est allé avec sa philosophie. Et puis, écoute, on a fait une transition sur une période d'entre 2 et 3 mois. Parce que, à mesure que le temps avançait, on en mettait encore un petit peu plus. On en mettait un petit peu plus. Là, on disait même qu'on voulait venir demeurer aux États-Unis. Tu sais, puis là, eux autres, ils voulaient qu'on retourne au Canada. Mais au bout de 3 mois, on était devenu une des équipes les plus détestées de la WWE. Donc, ça a fonctionné. Monsieur Rougeau, on aimerait que vous nous parliez de votre aventure de WrestleMania 3. Ça devait être quelque chose pour vous et votre frère Jacques de lutter devant 93 000 personnes au Pontiac Silverdome. C'était la première fois qu'on luttait devant une si grande foule. La plus grande foule devant laquelle j'avais lutté avant ça, ça avait été ici, au Parc Jarry, en 1972. Il y avait 26 000 personnes. Fait que j'avais 17 ans. Ça, c'était impressionnant. Mais d'arriver là, 93 000 personnes dans un building intérieur. Oui, en plus. Oui, c'était un dôme. Là. Parce que tu rentres, il y a un toit, c'est fermé, puis il y a du monde partout. Nous, on est arrivé de bonne heure. Je suis rentré le matin. J'ai monté les gradins jusqu'en haut parce que je voulais voir que ça avait l'air. L'arène avait de l'air grosse comme ça en bas. J'imagine. Et là, je me disais, puis il y avait des écrans géants, bien entendu. Mais c'est là que c'est toute l'ampleur de l'événement que tu pouvais t'imprégner. Quand on est sorti pour aller à l'arène pour notre match, on sort la musique, tu regardes la foule, ça crie. C'est un peu... ça dépasse que n'importe quoi que tu as pu vivre avant ça. Et puis pour moi, cet événement a été un événement historique que pour moi, même aujourd'hui, qu'on est rendu à WrestleMania 37, 38, tu sais, WrestleMania 3 reste toujours dans les annales de l'histoire comme étant un des plus grands WrestleMania. Oui, parce qu'il y a eu tellement beaux combats lors de cet événement-là. Tu sais, on pense à Randy Savage contre Ricky Steamboat, qui est un des matchs qu'on parle encore. Même après 35 ans. C'est oui. Ça. Ouais. Il y a Hulk Hogan qui a slamé le géant ferreux aussi, ça, c'était, ouais. C'était grandiose. Ah oui, ces deux combats-là, c'était vraiment grandiose. Puis j'imagine quand vous rentiez, là, la pression, là, la chaleur, parce que nous, on a fait de la lutte, mais devant comme maximum 5000 personnes, puis déjà là, on sentait la pression, puis ça. Mais 96 000 personnes, tu dois te sentir écrasé, ça doit être particulier, là, la On avait double pression.
Tant la pression de la foule qui est là, mais on savait qu'on était sur télé la carte aussi à travers le monde. Ouais, pay-per-view, là, oui. Aussi. Et puis, tu sais que Vince McMahon est en arrière et qu'il regarde tout ça. Fait que, un échec ou une réussite sur un événement de cette ampleur-là peut influencer tout le reste de ta carrière. Parce qu'il y en a, quand ils arrivent devant des événements comme ça, ils croulent sous la pression. Puis, s'ils voient que tu n'es pas capable de prendre cette pression-là, ils vont dire ça ne donne rien d'investir sur eux, ils vont crouler. Alors, de là, il y avait comme beaucoup de pression. Là. Pas juste le performer, mais l'avenir de ta carrière. Super, merci beaucoup. En fait, ensuite de ça, ben, tu sais, c'est écoulé quelques années. Et puis, vous avez eu une rivalité au SummerSlam 88 avec les British Bulldogs. Ouais. Et puis, est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Ou... Vous oui. aviez quelques différends, je pense, avec eux autres. Oui, mais en fait, le différent est venu après ça. OK, OK. Au SummerSlam, on n'avait pas de différent. On n'avait pas d'affinité avec eux. Okay. On ne peut pas dire qu'on se côtoyait, puis c'était amical, ça ne l'était pas. Par contre, ils faisaient leur affaire, on faisait notre affaire. Il n'y avait pas d'amitié. Mais on est arrivé là à SummerSlam, puis pour moi, on a livré la marchandise. Ça a été un match qui a été super. Moi, je sais qu'il y a un des producteurs qui était là, Ed Kerwin à l'époque, lui, il m'avait dit, même plusieurs années après, quand je suis revenu pour faire les pay-per-views en 2017, il dit, moi, je me souviendrai toujours le match de SummerSlam, vous et les Bulldogs. Il dit, pour moi, ça a été un des meilleurs matchs que j'ai vus. Fait que j'ai dit, wow, ça l'a marqué. Mais ça pour nous, on avait été à la limite de temps. Ça avait fini avec le 20 minutes. Un draw, oui. Puis là, on était vraiment rendus des vilains. Les Bulldogs, c'était les favoris. Mais l'intensité, puis le... qu'il y avait au Madison Square Garden, c'était là, au Madison Square Garden. La magie, l'intensité qui était là, c'était assez phénoménal, c'était marquant. La rivalité qui est venue par après, ça s'est passé, je te dirais, 3 à 4 semaines plus tard, que là, il est arrivé toute l'histoire avec les Bulldogs. Ouais, ouais, ouais. Monsieur Rougeau, vous avez fait un combat de boxe face au regretté Owen Hart à Montréal en 1996. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Oui, en fait, moi, ça faisait déjà 6 ans et demi que j'étais retiré de la lutte. J'ai appelé ma retraite, j'étais commentateur. Puis moi, j'ai un garçon, il est venu au monde 5 mois après ma retraite. Parce que moi, je ne voulais pas être sur la route et avoir un enfant. Je venais chez nous 5 jours par mois. Fait que quand j'avais donné le OK pour qu'on essaie, mais sachant que par le temps, que si ça fonctionnait, qu'il viendrait au monde, je serais arrêté. Mais là, mon fils, comme beaucoup d'enfants, et surtout, le mien, il savait que j'avais lutté, il avait vu beaucoup de cassettes VHS dans le temps, des combats de lutte, dont les Bulldogs et toutes sortes de choses, il me voyait faire les entrevues, fait qu'il regardait la lutte. Puis là, il me disait toujours, mettons, elle a rendu à l'âge de 4 ans, puis il est venu au monde en 90. Alors, j'ai 4 ans, il a commencé à me dire, « Papa, est-ce que je vais te voir lutter un jour? » « Ah, peut-être, tu sais. » Sans penser que ça irait plus loin. Ouais. Et puis, mais il n'a jamais démordu. Il a continué. Là, rendu à 6 ans, il dit, « Papa, quand est-ce que je vais te voir sur la reine? » Je dis, « Bon. » Moi, je ne suis pas un gars qui ment. J'avais dit, « Peut-être. » Mais là, je voyais que c'était important pour lui. Alors, c'est là que j'ai pris l'idée. Ça ne me tentait pas de revenir faire un match de lutte. Pour moi, ma carrière de lutteur était complète, était fermée, c'était terminé. Mais j'ai toujours aimé la boxe. Aussi, mon père a été boxeur quand il était jeune, boxeur amateur, les gants dorés. Il avait été champion des gants dorés, toutes sortes de choses. Puis j'avais mis les gants avec mon père jeune, il m'avait montré à me défendre. Puis j'avais dit, revenez pour un match de boxe, ça me tenterait. Fait que. Je suis allé voir Vince, puis j'en ai parlé. Fait que j'ai dit, Vince, j'aimerais ça revenir faire un match à Montréal, un match de boxe. Il dit, pourquoi tu veux faire un match de boxe? J'ai dit, parce que moi, pour venir, je suis toujours resté en forme, mais je voulais me mettre dans une forme impeccable, puis c'est beaucoup d'efforts. J'ai dit, moi, ça me prend une motivation. Fait que j'ai dit, moi, j'aimerais revenir pour un match de boxe, je veux que mon fils me voit sur le ring. Bien, Vince, il m'aimait bien, fait qu'il dit, OK. À l'époque, je voulais le faire avec Shawn Michaels, puis... parce qu'on avait une rivalité avec les Rockers, tu sais, fait que Shawn Michaels, ça irait bien. Mais Vince, c'est parce qu'il était en train de monter Shawn Michaels
pour en faire un champion, tu sais, monter lui puis Brett, tu sais, encore cette histoire-là aussi. Fait qu'il m'a suggéré Owen Hart. Et Owen Hart, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, c'est un professionnel. J'ai dit, ouais, OK, ça m'irait. Puis Owen Hart, il était à ce moment-là the King of Hearts, le roi des Hearts, tu sais. Oui. Il a une montée, fait qu'il y avait, ouais, il y avait quelque chose de bien, là. Fait que j'ai accepté. Fait que j'ai commencé à m'entraîner au mois de février pour le combat de boxe au mois d'août. Je courais 5 à 6 km par jour. Je faisais 10 rondes de boxe. Je faisais 15 minutes de corde à danser. Je faisais 1500 redressements par jour. Je m'étais mis sur un régime que je voulais. En tout cas, j'ai baissé mon poids de 20 livres pour le moment. Wow. Félicitations. Ah. Ça semble toujours. Quand vous faites quelque chose, vous le faites pas à moitié. Ça revenait à mon poids quand j'avais 19 ans. Wow! Votre fils va être content. J'ai rendu à 41 ans et demi. Là. Wow! Ouais. Fait que ça a été le fun. Puis juste une anecdote, je me suis tellement mis en forme rendu là qu'après le match, je me suis dit, je vais garder cette forme-là et mon poids, je ne le laisserai pas varier plus que 5 livres. Et bien là, on est rendu en 2022 et je suis toujours en dedans de 5 livres de quand j'ai fait le match de boxe avec Owen Hart. Wow. OK, vous vous entraînez encore, vous faites le... OK, vous gardez la santé. Une moyenne, bien. C'est fou un peu là, mais une moyenne de 29 jours par mois. Ah, c'est wow. Très bien. Ouais. C'est 1h45 par jour. Wow, ben ouais. Félicitations. Ouais, vous avez parlé, dans le fond, des gants dorés de votre père. Je vais juste simplement ouvrir une petite parenthèse parce que mon père, c'est un grand amateur de lutte. Il a été promoteur, bref. Et puis, il a connu votre père. J'avais une petite anecdote à vous raconter. Dans le fond, votre père a lutté contre Abdullah the Butcher à Lévis au début des années 70. Les années 70. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du combat, bon, ben, les deux ont commencé à se promener un peu partout parce que vous connaissiez Abdullah. Abdullah, lui, il ne restait pas dans le ring. Il se promenait, ouais. Tu sais. Fait que là, ben, M. Butcher, dans le fond, a voulu s'en aller vers les vestiaires. Et puis, il y a un policier qui s'est mis entre les deux, qui s'est mis entre votre père et Butcher. C'est un monsieur Poirier qui maintenant est à la retraite. C'est un policier de Lévis. Mon père l'avait noqué, le policier. Oui, c'est ça. Et puis, mon père me dit... C'était pas à Lauzon. Oui, ah, exactement. À Lauzon. Ben, oui. Il y avait des portes, puis votre père avait un bon crochet de droite. Ouais. Et puis, il s'est ramassé dans les portes, en bas, où ils sont les vestiaires. Puis, ce que mon père me dit... Il semblerait que votre oncle Johnny est allé le chercher au poste de police le lendemain. Okay. Oui, mais je suis au courant de cet incident-là. Ah, c'est particulier. Parlez-nous de votre oncle Johnny. Oui. On sait qu'il a été, dans le fond, le bodyguard de M. Lévesque, puis qu'il a fait vraiment des belles grandes choses. Ben, mon oncle Jean, pour moi, ça a toujours été un monsieur plus grand que nature. C'était un gentleman, c'était un homme d'affaires, c'était un sportif, c'était... C'était votre mentor un peu, M. Rougeau. Oui, oui. Côté relations publiques, comment se comporter avec les médias, comment se comporter... Mon père était beaucoup plus réservé. Mon oncle Jean, c'était un homme de public. Okay. Fait que mon oncle m'a enseigné comment, parce qu'il ne veut pas... Tu vas devenir une personnalité publique et tout ça. Fait, m'a enseigné comment on doit se comporter dans ce cas-là. Et alors, il a été un mentor pour moi, puis j'ai été aussi le fils qu'il n'a jamais eu. Lui, il a toujours souhaité avoir un garçon. Okay. Et puis, j'ai toujours été un enfant docile, un adolescent docile. J'ai jamais fait de crise d'adolescent. Je m'entraînais tout le temps, puis je luttais. Fait que mon oncle se revoyait aussi en moi beaucoup. Alors, même mon oncle était le booker quand j'ai commencé. Et puis, il se bookait souvent dans les mêmes villes que moi. On voyageait ensemble, lui et moi. D'ailleurs, mon premier match que j'ai fait, c'est lui qui était dans mon coin. Mon premier match, mon père était booké au Centre Paul Sauvé à Montréal. C'est mon oncle qui l'avait booké. Là, mon oncle voulait absolument être avec moi. Mais c'était un homme extraordinaire auquel j'ai appris beaucoup d'affaires. Comme tu dis, oui, il était le bodyguard de René Lévesque.
Mais je pense que le bodyguard, ça a été utilisé, on va dire, à des fins peut-être de sensationnalistes à ce moment-là, ouais. Parce que ce n'était pas officiellement son bodyguard. Ouais. C'était un grand ami de René Lévesque. Okay. Et mon oncle était beaucoup avec. Et là, les gens le voyaient. « Oh, Johnny Rougeau est avec René Boss, c'est son bodyguard. » C'est là que ça a parti. Okay. Mais okay. Mon oncle s'est présenté beaucoup d'endroits avec René Lévesque. Okay. Oui, effectivement, il s'assurait que personne n'y fasse de misère. Ça se passe, mais ce n'était pas son bodyguard attitré. Mais les gens, ils ont aimé étiqueter Johnny Rougeau le bodyguard de René Lévesque. J'ai rencontré René Lévesque, il a embarqué avec moi dans mon auto. Il était des élections en 76, puis je l'avais embarqué pour l'emmener ailleurs. Mon oncle m'avait demandé, tu pourrais-tu emmener René à tel âge? Ben oui, il a embarqué avec moi, je suis allé. Puis mon oncle, il avait un charisme, tout le monde l'aimait. Il me fait penser à des Guy Lafleur, à des Jean Béliveau. C'était une époque, c'était des gens qui étaient comme ça. D'ailleurs, on se souvient au service de mon oncle Jean. Quand je suis sorti de l'église, j'étais un des porteurs de sa tombe. L'église était bondée. Ginette Renault était venue chanter à son service, comme elle le fait là. Quand on est sorti, il y avait 7000 personnes qui, dans la rue dehors, qui bloquaient. Il n'y avait plus. C'était la rue Saint-Hubert à Montréal. C'était une rue assez achalandée. Et puis, il n'y avait plus un véhicule qui circulait là. C'était une marée de monde. Il y avait 7000 personnes qui applaudissaient. Ça m'avait marqué j'imagine. À quel point il avait touché la population aussi. Fait que pour moi, mon oncle, c'est un grand homme, mais ça l'est toujours. OK. On sait, ben, tout le monde, la plupart des fans de lutte le savent. Vous avez été commentateur francophone. Vous avez même remplacé Édouard Carpentier et Guy Auré. Avez-vous des petites anecdotes intéressantes à nous conter dans votre fameuse carrière d'annonceur à la WWF? Ah, bien, écoute, il y a toujours des petites anecdotes, des affaires drôles. Mais il y avait entre autres le soir du Montreal Screwjob avec Bret Hart. Sean oui, Mike. Oui, oui. Moi, je faisais un commentaire. On était à Survivor Series en 97. Oui. Puis j'étais au bord de la reine à faire les commentaires. Parce que dans ce temps-là, il y avait la table des commentateurs espagnols, les Anglais, les Espagnols et les Français. On était les trois. Vous avez annoncé, je pense, hein, aussi. Pardon? Vous avez été annonceur lors de l'événement. Pas sur ce show-là, mais oui, j'ai annoncé quelques fois aussi. J'étais okay. Intervieweur, commentateur, j'ai tout fait. J'étais là, me faire là, pour eux autres. j'ai fait de l'anglais pour eux autres, du français. Je faisais les promos pour le Mexique, pour l'Allemagne, les pays internationaux. J'ai pas mal tout fait. Fait que comme Vince, il me disait, il dit, ce que j'aime avec toi et moi, il dit, t'es versatile et tu peux faire n'importe quoi. Fait que j'avais du fun avec ça. Mais ce soir-là, c'est quand l'arbitre a fait sonner la cloche, Earl Hebner, c'était Dave Hebner. C'était-tu Earl ou c'était Dave? Je pense dans le Dark Side of the Ring, ils disent que c'est Earl, de mémoire. Oui, ça se peut, oui, que ce soit Earl, oui. Parce que c'est deux frères jumeaux. Oh oui. J'ai travaillé avec les deux. Les deux ont arbitré de mes matchs, puis bon, fait que c'est compliqué. Quand il a fait sonner la cloche, on était comme, OK. Là, je vois la réaction. J'étais étonné de voir que le match s'est terminé de même. Puis la réaction, puis j'étais dans le milieu assez longtemps pour savoir, oups, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, quand j'ai vu Vince descendre, prendre la ceinture, la donner à Shawn Michaels, Shawn faisait comme s'il était tout surpris. Il n'était pas si surpris que ça, là. mais tu sais, il faisait comme s'il était surpris. Brett était en colère. Shawn est sorti. Vince arrive. Brett crache dans le visage. Oui, ça, on le voit clairement. Bulldog descend, Nightheart. Là, j'ai enlevé les écouteurs, puis j'ai dit à Jean, j'ai dit, Brett, il vient de s'en faire passer une. Là, Jean, étant pas du milieu, il dit, t'es sûr? Je dis, oh oui, je suis sûr. Puis là, ils ont commencé à lancer des moniteurs, puis toutes sortes d'affaires. Ils ont commencé à lancer des choses. Et surtout à Montréal. Tu peux faire ça n'importe où dans le monde, sauf à Montréal. Il ne voulait pas perdre au Canada. La foule, elle est réactive. C'est fou. Oh oui. Ça l'a comme amplifié l'affaire. Ben oui, ben c'est là que j'ai dit à Jean, de toute façon, on n'était plus en onde. J'ai dit, on s'en va, parce que là, ça a commencé à lancer des affaires. J'ai déjà vécu des situations pas drôles là, dans la lutte, là. Et puis en plus, on était en tuxedo, on est habillé, là, on va recevoir des verres de liqueur, des verres de n'importe quoi. Puis on sort, on s'est levé, mis nos écouteurs, on est parti. Eux autres, de toute façon, démolissaient tout autour de la reine. Fait que c'était bon, on s'en allait.
vous nous avez parlé de choses un peu, tu sais, ça brassait beaucoup, vous vous faites garocher des choses. Parlez-nous un peu des combats là, qui ont été vraiment difficiles pour vous. Là. T'sais, on pense, entre autres, vous avez été à la World Wrestling Council après le décès de Bruiser Brody. Ouais. Honnêtement, entre vous et moi, il fallait avoir des couilles pour aller à la World Wrestling Council. C'était pas une place que c'était doux, là. Oui, c'est particulier. Puis en même temps, quand je suis arrivé au building dans l'après-midi, on avait une entrevue à faire qui passait à la télévision le soir. Et puis, on a rencontré le gars qui a poignardé Bruiser Brody. C'est lui, ils nous l'ont présenté. Ah, ça, c'est son nom, c'est José Lotario. Ouais. En tout cas, ils nous l'ont présenté. Ah, bonjour. Mais ça faisait bizarre. Tu sais que c'est lui qui a poignardé Bruiser Brody, c'était spécial. Mais je suis. J'avais été invité, ça faisait déjà 5 mois qu'on avait arrêté de lutter. On avait été invité, puis je n'étais jamais allé à Porto Rico pour lutter. Je disais, ah, ça peut être intéressant. Puis, bon, on y va pour un week-end. Quand on est parti, j'ai dit, plus jamais je vais aller lutter là. Ah ouais. Il n'y avait aucune discipline, aucun ordre. Je dis, nous, on était encore les vilains, on était les méchants. On luttait contre des Porto Ricains qui étaient les favoris. Mais là-bas, c'est que le monde, il lançait des bouteilles. À un moment donné, je vois de quoi briller. Je me penche, une bouteille frappe le poteau de la reine Arena-moi et il un morceau, une bouteille de vide. Après ça, ça lançait il y avait des verres de liqueur, mais c'est comme en carton, là, tu sais, de pissiré, avec des roches dedans. Ah! Oh. Lançait ça. En tout cas, on sortait pour la reine, je me cachais le visage avant, je recevais des roches, je recevais de ça d'abord. Non, quand je suis revenu, j'ai dit, puis, un autre coup, on a lutté 2 soirs. On a lutté à San Juan, puis on a lutté à Mayaguez, un peu plus loin sur l'île. C'était un stade extérieur. Ce que je trouvais étrange, on est dans le vestiaire. Là, il y a des lutteurs qui sont là, ils ouvrent leur valise. Là, tu vois, il y en a un, il y a un couteau dans sa valise. L'autre, il y a une chaîne. L'autre, il y a d'autres affaires. C'est quoi ça? T'sais? Mais là, je l'ai compris, parce qu'à un moment donné, plus tard en soirée, ça a chauffé dans la foule. C'était sur le bord d'une émeute. Là, les fans, vous venez attaquer le vestiaire. Là, les gars ont sorti les chaînes, les valises, puis l'autre sort le couteau, puis ils s'en viennent, préparez-vous. Oh, c'est fou. Fait que là, on va se battre contre une foule qui s'en vient dans le vestiaire. Hey, belle place. Wow. Fait que, en tout cas, ça a été une expérience, mais après ça, j'ai dit, bon, merci, bye-bye. Vous et votre famille, la famille Rougeau, bien entendu, vous êtes une grande famille dans le monde de la lutte, connue mondialement. On comprend pas pourquoi vous n'avez pas encore eu d'offre pour être au Hall of Fame de la WWE. Pour moi, c'est pas quelque chose qui sera exclu. Mon frère Jacques a eu une relation un peu tendue avec Vince McMahon. Ah, OK. Puis, il avait passé, à un moment donné, il avait passé beaucoup de commentaires dans les journaux contre la WWE, contre Vince. Il y a possiblement ça qui peut être dans la balance aussi. Par contre, on a déjà vu des gens qui ont eu des fois avec Vince dans le passé, un jour revenir puis être au temple de renommée. Oui, Bret Hart, Ultimate Warrior, oui, on a nommé que ceux-là. Ce que je pense, c'est qu'il y a de la politique, c'est une business, il y a de la politique derrière ça. S'il faisait un WrestleMania, je te donne un exemple, ou un WrestleMania, parce que c'est là qu'ils font les cérémonies de temple de renommée, à Montréal, je serais presque sûr qu'on serait intronisé au Centre de renommée. Ben, c'est sûr. Parce qu'on vous le souhaiterait, en tout cas. Au Stade olympique, ça serait fou. Non, mais ça serait grandiose. Il y a eu des événements que j'ai vus, c'était à certains endroits, puis ils ont intronisé des gens sans manquer de respect à personne, mais j'ai eu une petite bémol quand ils ont introduit Coco Beware au Centre de renommée. Oui, il était low-carder, jobber un peu. Ben, j'ai des petites réserves. Ouais. On était dans son coin, fait qu'ils ont voulu avoir un élément local. Fait que selon moi, ça pèse en balance, c'est un petit côté politique ou attrait local aussi à y avoir. Fait que comme je te dis, s'il y avait un WrestleMania Montréal, possiblement qu'on pourrait être invité à ce moment-là. Mais regarde, on ne connaît pas l'avenir. Hein. Des fois, on peut être invité en disant oui, surpris. Il n'y a rien d'impossible. En terminant, M. Rougeau, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour les prochaines années? Qu'est-ce que? On peut vous souhaiter pour les prochaines années. Que ce soit dans votre vie politique ou votre vie personnelle, peu importe. En fait, c'est cliché, c'est plat, mais la santé.
Ouais. Ah, ben c'est, ça vaut plus qu'un million, ça, la santé. Non, mais c'est parce que, tu sais, si tu as la santé, il n'y a pas de limite de ce que tu peux faire. Si tu n'as plus de santé, tout est arrêté. Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux avoir les valeurs que tu veux, tu peux avoir ce que tu veux, mais quand tu es rendu malade, tu es au lit, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien que de la valeur. J'ai vécu il y a 2 ans et 3 quarts le décès de mon père. Je l'ai suivi, je l'ai accompagné là-dedans. Et puis, on était toujours très proches, mon père et moi, et jusqu'à son décès. D'ailleurs, quand il est décédé, j'étais à son chevet, j'étais là, je l'ai vu décéder. On se le fait toujours dire, on souhaite la santé. Mais tant que ça ne nous arrive pas, ou quelqu'un de très proche, on prend la santé un peu pour acquis. Moi, je ne la prends pas par acquis, je n'ai jamais rien pris d'acquis dans la vie. Je me suis toujours dit, je mets toutes les chances de mon bord. Je fais une vie saine, une vie rangée, disciplinée. J'ai toujours fait, je m'entraîne. Après ça, je me croise les doigts et je souhaite pour le mieux. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est la santé parce que j'ai un garçon, j'ai une petite fille de 6 ans. Mon fils, là, sa conjointe, est enceinte à peu près 2 mois de fête. Je vais avoir un autre petit enfant. Mais je souhaite être en forme pour pouvoir partager des choses de la vie avec eux. Dans les années à venir. Fait que on souhaite la santé, le succès. Je peux dire, dans tout ce que j'ai touché, j'ai été chanceux. J'ai fait des choix, fait des sacrifices, mais j'ai été chanceux dans la vie. Dans la lutte, j'ai fait ma carrière dans la plus grande organisation au monde. Je suis allé comme commentateur. C'est arrivé comme ça. J'ai été, en fait, en tout 13, plutôt, j'ai été 17 ans commentateur pour la WWE. La plus grande organisation au monde. Les shows qu'on faisait ont été diffusés dans 180 pays à travers le monde en 26 langues. N'importe où sur la planète, je mettais le français, c'est moi, puis Jean Brassard. Fait que pour moi, c'est une fierté. Ben oui. Je me suis lancé en politique, j'étais conseiller municipal, je suis monté maire suppléant, je suis arrivé au sommet de ma ville, je suis rendu le maire de ma ville. Fait que les choses que j'ai entreprises, j'ai toujours réussi à aller au sommet, je me considère choyé, chanceux. Alors, pour ça, je suis comblé. Et puis, le reste, c'est la santé. Super. Ben, je pense que ça close bien notre entrevue avec M. Rougeau. Merci beaucoup, M. Rougeau. Je crois honnêtement, comme dirait si bien Bret Hart, je crois que vous êtes la personne la plus humble et la plus gentleman que j'ai rencontrée de toute ma vie. Alors, merci beaucoup, M. Rougeau, pour votre temps si généreux. Du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance dans vos projets et on espère que la ville de Rawdon va vous élire encore pendant bien longtemps. Ça, le temps dira. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Ça a été bien agréable. Ça fait plaisir. Bonne continuité à vous. Merci beaucoup. Passez une agréable fin de journée. Au revoir. Au revoir.